montre qui j'ai ou même ou capable réactiver back office ou ça veut dire qu'ils ont qu'à faire un achat dans back office. Ils servent pour réactiver comme ça tout. Là où moi fait club 121, ok? C'est comme ça vous faites parce que c'est un back office ou achat ça va le fait. Et faut que nous fait différence entre les achats faits dans back office noir avec les achats faits dans business ou avec link ou. Les clients qui sont sur link ou les acheter, ça sont clients qui achètent sur link ou. Ok? Chaque produit vend sur link ou va oublier ou en commission qu'on fait. Chaque produit ba ou environ $20 gang buy plus gang buy moins. Mais laisse un achat fait dans back office ou soit pour réactiver ou bien pour même pour un club 121 et c'est un produit qui bon qui veut personnel ou pas faire commission sur lui. Ok? Et ou aller dans menu et pour faire login, ba l'entrer dans page pour mettre ça faire. OK, nous va aller là. On mettre username là. On mettre username là. Et puis nous mettre password. On mettre password là et puis là mettre sous. On va mettre sous quoi? On aller dans menu encore. Et puis malena my portal ça nous est en les noms là qui dit my portal. Ok ça veut dire quand ça mérite activer non quand ça mérite activer. Ok donc regardez-vous nous on va monter à gain point à gauche mais right point et le point va descendre en bas parce que binaire va activer mais binaire va actif. Ok mais ça on va le faire là qu'on a pour me faire achat malena menu petit bar en l'air bezwen menu et puis mal les côtés qui dit new shop OK n'a pas dans la liste 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10e point ça qui en bas côté dit free restart là il dit new shop on clique dans new shop là OK le new shop là qu'on va voir sur shop là mais pas oublier c'est dans bas office on dépasser ça veut dire acheter ça pas fait encore client soit le faire comme ça pour un client il pas bon parce que dans bas office on va acheter. OK on a la choisi produit qu'on voulait ou même qu'a fait club sans fonction qui tout est besoin ou aller dans filtre et pour prendre kit and packs. OK ça bon produit qui pas kit qui a kit yo. Mais là comme c'est pas kit ma chère c'est là ça aussi un kit yo. C'est sur République Dominicaine moi là République Dominicaine pas gagne l'autre kit donc on est aux États-Unis et m'a pas filtre m'a pas shop all son grand produit on va acheter pour réactiver mon ça. On prend énergie, on prend énergie. On prend résolution toile. On ajoute le panier. Lorsqu'on ajoute le panier, on pas faire continue shopping. Si on fait continue shopping, il va le renvoyer au côté pour choisir produit encore. En bas continue shopping, on a un côté qui dit view my cart. En bas continue shopping, ok? On baisse ça en bas. Et puis il va vous montrer un panier. Ça c'est panier, il dit mes produits que la donné. Mes prix produits. Hein? Yo ba mon sous total ça veut dire pas total parce que vous pouvez mettre free shipping dans celui et puis là moi voilà moi deux boutons moi qui dit continue shopping en bas il dit check out m'a pas dit check out là nouvelle trois move m'a dit check out là et puis qu'on a là bas mettre formation shipping pas oublier dans back office ou il va demander au nom pour ne pas demander au bail ça encore parce que il est attaché sous nom lié et order qu'on a là dans shipping là si c'est pas au même c'est pas sous nom voyel ou mettre sous nom mon voulez voyel là non hein. C'est comme ça. Par exemple, ça va m'envoyer le surnom. Ouais, ça c'est nos surnoms. Imagine, ça c'est pas surnom ni. Et contre ça, c'est pas contre moi. Mais je vais vous produire un surnom. Je vais mettre l'information pour me la donner. Ok. Et puis, je vais me servir. Ouais, on va me servir. Ok. Et ça c'est pour ça que j'ai des options. Au café voyez pour dire vous bien on cache chez le shop si on va chez le shop là on va mettre pick in store on dit par exemple OK et puis on va mettre nom là c'est moi qui parle d'elle et puis là on mettre date moi d'elle là OK laisse pour dire parler dans store pas quitter pour dire en fait trop de temps grand nombre de temps pour dire en fait ou pas le chercher il y a possibilité pour yo cancel order ça OK et grand nombre quantité jour le fait yo cancel ça veut dire là et on va choisir date là. OK et puis mettez nom monde qui parle d'elle là mais ça arrive dans son parle d'elle voyons qui te vole moi il y a vole dans même pack. OK on fait mettre ça là et on prend save qu'on a là au cap pour final là parce que on a gagné shipping avec ces $4 et puis on gagné normalement là non pour final là ouais et
résolution sorti $64.95 plus $4 shipping plus taxe pour $11.69 minimum $80.64. OK. Kounya là, seul ça que c'est paiement. Si m'a payé, m'a avec mon carte, m'a add payment. On va ajouter un carte ou bien on va payer avec PayPal. Non, pay with PayPal ou bien c'est avec pour payer. Ça gagne 0.24 points si avec pour payer. Moi t'a cliquer sur ça là et puis m'a mettre quantité pour mettre pour payer. OK. C'est comme ça. Là on fin mettre prix en qu'on a là fin mettre quantité pour mettre ou bien si c'est carte fin mettre carte là et voilà en bas là on fait confirmer. Là on fin fait confirmer, il y a pas voyez une page bas pour quand que son résumé achat et puis il y a bon côté pour placer commande là. On va descendre en bas, même quand on voit qu'il dit confirme là, on va marquer place order pour placer commande là. Et on y clique sur lui, commande pour placer. Et bien après, on va venir comme ça, thank you for your order. Et vous avez fait. Ok? C'est comme ça, on fait un achat pour même pour activer BackOffice ou bien pour faire club 120.